5h30 et ça me fait trop de bien de me réveiller à cette heure-là. Vraiment, essayez de vous réveiller plus tôt que d'habitude. Oh. Sinon, hier j'ai eu une petite tasse d'une copine. L'amitié est le plus précieux des trésors. Pour mon anniversaire, il est trop choupi. Donc là, je vais boire mon café. Bon, je mange des sandwichs au Nutella. Et parce que, en fait, je filme jamais le matin. Très tôt, oui. Mais du moment où les enfants sont à l'école, je suis tout de suite derrière l'ordi pour faire le montage, du coup. Et du coup, j'arrive pas à filmer, tu vois. C'est pour ça que Colma, là, je me suis dit, tu fais une pause et tu filmes un peu. Même si c'est que pour parler, parce que c'est mon point fort. Je suis allée aux Imams, tu sais, pour acheter de la colle que j'avais besoin pour mon pistolet chauffant, alors que c'était la fosse en plus. Mais j'ai acheté deux trucs pour moi. Je vais vous montrer après tout ça. Et ouais, donc aujourd'hui, on est quand même les 18 et il me manque encore des cadeaux. Moi qui voulais pas faire les choses à la dernière minute, parce que chaque année, il y a une foule. Et je me suis dit, cette année, avec le virus plus... C'est pour ça que je dois vraiment m'y prendre et aller faire les cadeaux qui m'ont... Bon, c'est officiellement les vacances et aussi pour moi, parce que les filles, elles vont chez leur... Elles vont chez... leur grand-mère. Et du coup, bah, j'ai une petite soirée pour moi et du coup, je pourrais faire beaucoup plus de contenu aussi. Parce que, comme j'ai dit, c'est un peu difficile faire les choses avec les enfants, avec en ce moment ce qui se passe. Et en plus, elles ont l'école, je suis tout le temps avec eux. C'est un peu plus compliqué pour faire un contenu un peu plus où je sors à la maison. Donc du coup, je profite ce week-end. Tu m'aimes, ma fille, tu m'aimes. Tu m'aimes? Et toi, petite? Tu m'aimes? J'avais acheté ce pantalon chez Emma parce que je le voyais depuis un moment déjà, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut vraiment la peine ou pas? Et là, je l'ai vu encore une fois et je l'ai pris cette fois-ci. Attends, je vais juste enlever ça pour le moment. Voilà. Donc ouais, ça pourrait être une bonne un bon pantalon pour Noël, qui m'a coûté, attends, 11 euros. Bon, 12 pour le 1 cent, on va pas chipoter. Il m'a coûté 12 euros. Voilà pour le pantalon. Donc. Et en fait, j'avais vu ça, ma copine, elle l'avait acheté, je pense déjà il y a un an. Et elle sait que j'adore ce genre de choses. Elle me disait toujours, il est encore là, il est encore là. Et je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait, attends. Il faut savoir qu'il coûte pratiquement 5 euros. Je l'ai eu pour 2,50 euros. Donc voilà, encore une fois, je me dis, et c'est bien Lara de suivre ton intuition. Je veux faire ici un truc, tu vois, avec ça. Bon, il faut que je le colle encore. C'est juste que ma colle, c'est de la merde. Et qu'il faut que j'achète vraiment de la colle pour refaire tout ça. Et je me suis dit que j'allais mettre un ici parce qu'il est aussi en doré, tu vois. Et bon, après, je verrai bien si ça va, si c'est pas moche ou etc. Il est 5h35. Je vais faire la vaisselle. Je vais fermer la porte. Comme vous le savez, mes enfants aujourd'hui sont chez mamie. Et alors aujourd'hui, je me suis dit, ouais, voilà, tu peux te la couler douce aujourd'hui. Tu peux un peu prendre soin
de toi, plus que les autres jours. Mais cette fois-ci, meuf, tu le fais vraiment. Alors pour ça, on a besoin d'un cadre qui me fait du bien. Et alors je me suis dit, tu vas faire aujourd'hui tes pieds. Oui, mes pieds. Parce que si je vous montre actuellement à quoi mes pieds ressemblent, je mets plus de vernis, on dirait que j'ai une French déjà. Et là, par contre, je me suis dit, non, c'est l'heure de prendre soin, un peu de soin. Hein. Tout d'abord, je dois faire du bien à mes pieds. Et qui dit faire du bien à mes pieds, dit machine à faire des massages aux pieds. Voilà. Ah. Pour la détente, j'ai pris quelques bouquins, un coca comme toujours, et mon téléphone au cas où. Parce que les gens... Donc, 1, 2, 3, go! Ah, c'est bon, hein. J'en ai marre déjà d'être ici. Je dirais que je perds du temps. On va prendre une douche. On va prendre une douche. On va prendre une douche. Il y a un truc que je vous dois absolument montrer. Regardez. À vous. 1, 2, 3. Laisse. 1, 2, 3. C'est bon, tu peux le manger. Non? Ok. 3. Regardez ce que je fais. Il veut juste ça. Tiens. Bon, maintenant que j'ai donné à manger à mon chat, je vais prendre une douche. Je dois faire le démaquillage. Et pour ceux qui me demandent, je fais le démaquillage. Quand je prends ma douche le soir, je fais le démaquillage dans un premier temps comme ça. Et après, je refais le deuxième démaquillage, l'avant, oh ma tête, avec lui, mais par contre lui je le prends à la douche vu qu'il est waterproof, tu vois. Je suis devant mon ordi pour mettre toutes les vidéos que vous voyez là sur l'ordi parce que ça prend quand même un tout petit peu de temps. Et sinon, au programme pour samedi, donc du coup dimanche pour vous, j'avais vraiment envie de me prendre une journée toute seule, tu vois, pour faire les cadeaux. Je vais vraiment faire une petite journée juste moi, tu vois. Je pense que je vais vraiment la faire demain parce que j'en ai vraiment besoin et... c'est vraiment rare que je suis seule. Et du coup, j'étais en train de penser et je me disais tout le temps, il n'y a rien qui t'empêche maintenant que tu as les enfants. Ils sont chez ta mère. Et donc, du coup, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais me prendre demain une petite journée solo. Et donc, ça me permet aussi un peu de souffler, de voir, de préparer mes vlogs. Et comme ça, je peux un peu penser à quoi montrer encore. Si vous voulez des recettes, n'hésitez pas à me dire ça aussi. N'hésitez pas à me dire ça vraiment en dessous des commentaires. Sinon, voilà, je vais me coucher parce qu'il est déjà 11h. Même si c'est week-end, je compte encore me réveiller aussitôt. Et voilà, après je me prépare et je pense que je vais vraiment faire cette journée solo avec moi. Et voilà, donc... Je vous envoie plein de bisous, plein de positive vibes et à demain!